La question qu'on ne se pose pas, c'est... Vous êtes-vous déjà demandé si vous feriez 15 km à pied pour vous faire soigner dans un hôpital vide? Nous, on a décidé de le tester pour vous! Attends Élise, ça fait combien d'heures de marche 15 km? Genre 6 heures. Quoi? Ah non mais c'est bon, alors là j'abandonne. Hein. Et d'après les commentaires sur notre post Facebook de lundi, Oksane et Emily auraient aussi lâché l'affaire. Malheureusement, dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, c'est la réalité. Faire 15 km à pied en mauvaise santé, pour arriver dans un hôpital vide, sans lit, sans seringue, sans scalpel, sans table d'examen, il y a de quoi se décourager. Enfin, mais... Nos partenaires sont sur le coup! Quand un centre de santé est équipé en matériel et en personnel, l'accueil et la prise en charge des malades est nettement amélioré. Et même si 15 km ça reste loin, au moins ça en vaut la peine. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de... La question qu'on ne se pose pas!